Awadhi prit véritablement conscience qu'il partait, à l'instant précis où ses pieds se soulevèrent du sable de la plage de Chironi pour se poser dans le Kwassa. Là, il laissait sa terre de sable, sa terre qui sentait bon, sa terre de briques et de broc, son île de la lune, troisième de l'archipel des Comores. Il quittait en jouant. C'était un extrait du livre de Joël Écormier, Un rêve à la mer, disponible à la médiathèque.